Bonjour à vous, amis du 21e siècle, c'est Mr. Moustache en direct de AdventureCraft. Dans le prochain épisode, on va faire quelque chose de super. Alors, regardez-le. Hein. Mais en tout cas, dans le dernier épisode, ce qu'on a fait, c'était de trouver un arc. Non, ça c'était dans l'avant-dernier épisode. Je raconte n'importe quoi en ce moment. Je suis complètement déboussolé. Dans le dernier épisode, on a trouvé les bombes et on était en train de faire le donjon. Le quatrième donjon, le donjon du désert, et on était revenu à l'entrée pour utiliser notre clé d'argent qu'on venait d'avoir. Et en fait, je crois que c'est juste un putain de piège. J'ai pas trop envie d'appuyer sur ce bouton. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je le sens mal, vous voyez, les deux creepers, là, je le sens... Allez. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien? Non. Ah, mon Dieu, arrête de faire... J'ai horreur de ça. Un interrupteur. Ah, vous voyez, ouais, fallait ouvrir cette porte. C'est un peu mal foutu dans le sens où il fallait faire marche arrière. Oh putain, la grille est ouverte, je n'ai pas envie, Oh mon Dieu, c'est bloqué. Bon. Tiens, vas-y, explose. Oh le con, il a explosé le donjon. Tu te rends compte, t'as explosé le donjon. Ton pote, il a explosé le donjon. Et toi aussi. Tiens, on va le faire exploser là-bas, voir si... Merde, il est mort. Oh, putain, je contrôle pas ma force, moi. Du yoga. Ok, on redescend les escaliers des ténèbres, on saute. Oh, pas de problème, j'allais dire pas de problème, mon Dieu, que je suis mauvais et malchanceux. On peut le dire, malchanceux, bordel. Hop, merde. Putain. C'est le sort qui s'acharne contre moi, là. Ok, on se concentre, toc, par là, hop là, c'est parti, on y est presque. Le but, c'est de ne pas mourir, mon Dieu, voilà. Ok, il faut leur taper dans le bassin. Totalement logique. La porte qu'on vient d'ouvrir, j'imagine que c'est dans le sens logique. On va faire comme ça. Oh oh. Oh oh. Donc, si j'appuie sur cet interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Magnifique. Je vais tester. On a besoin d'une bombe pour ça. Non. Ça sert strictement à rien. Ok, bon bah c'est parti. D'accord, donc ça semble dégager un... Enfin, ça semble résoudre un puzzle qu'on n'a toujours pas... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ah merde, d'accord, le temple s'effondre. Mon Dieu, ah mon Dieu, vite. Ah, des chauves-souris de l'enfer. Vite. Hop là, c'est parti, par là. Mon Dieu, je me fais attaquer par les chauves-souris de l'enfer. Ok, oh mon Dieu, je vais me faire écraser. Une chauve-souris de l'enfer ici. Non, putain. Bon, casse-toi, tu pues de toute façon. Tu pues. Ok. On a besoin d'une clé en temps or, mais on ne l'a pas. On va aller par là, j'imagine que. Il y a quelque chose d'étrange avec cette lumière sur le sol. Ça, tu parles de cette lumière qui fait un chemin. Je pense aussi que il y a quelque chose de bizarre. Se passe quelque sombre affaire dans cette... Mon Dieu! Enfoiré de squelette. Les squelettes ne rendent pas la tâche facile. C'est parti. On va le faire en mode speedrun. Allez, cassez-vous. Non. Oh mon Dieu. Ils sont combien, ces enfoirés? Tiens, ici, juste, je passe. Non, tant pis. Non, il faut tous les tuer. Ils m'ont... Oh putain, ils m'ont coincé dans un espèce de mur. Oh putain, ils sont en train de me bizuter comme c'est pas permis. Mais ils avaient oublié que je m'appelais Link. Ils avaient oublié que c'était Mr. Moustache qui était aux commandes. Donc il faut pas frotter à Mr. Moustache. Ok. Je me sens tout d'un coup puissant et irrespecté. Irrespecté dans le monde des squelettes. N'est-ce pas? Ok, les zombies. Ok, des zombies et une araignée. Ah, les zombies donnent des plumes comme dans la bêta de Minecraft.
qu'ils en donnent plus maintenant, ce qui fait que les clones sont extrêmement durs à choper. Et faire des flèches, c'est extrêmement chaud. Ok, bouclier. Il est où ? Il est là. C'était caché dans le, dans l'encolure. Dans l'encolure. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et nous avons une clé. Nous avons une clé que nous allons récupérer, j'imagine, à l'aide du boomerang. C'est parti. Je sais extrêmement bien viser. Ne vous méprenez pas. C'est juste un accident. On a la clé d'argent. D'or. On a la clé d'or, donc on va pouvoir retourner. Il n'y a pas de squelette. Magnifique. Magnifique. On va suivre cette, cette jolie ligne de lumière. Ah merde. Ok. On va ouvrir cette porte en or. C'est une serrure d'or. Avec la clé. Super. Et ah d'accord, c'est là où on a débloqué le puzzle. Le puzzle. Ok. Oh, il y avait des trous. Ah bah oui, c'est là où sortait le sac. Logique. Non. Ah super. Super. J'ai cru voir un truc très intéressant. Ah ouais, l'air. C'est super bien foutu, c'est super bien programmé en tout cas. Ah, c'est génial. Une plaque de pression. Est-ce que j'appuie dessus? Oui. Okay, ça fait apparaître des trucs en bois. Donc avec les trucs en bois, on va pouvoir prendre l'aspiration et... Oh, il y a un rubis. Est-ce qu'il y a un rubis de l'autre côté? Non. On va le faire de l'autre côté, tiens. Non, non, je me mets là. On prend de la vitesse et c'est super bien foutu, merde. C'est super bien foutu, quand même, cette espèce de gestion de la force et tout. Hop, merde. Ok. 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 Et ok. Parfait. Nous sommes passés. Nous sommes passés. Et nous avons trouvé deux bombes. Deux bombes, les amis. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Des ennemis. Un labyrinthe. Je hais les labyrinthes. Mon dieu. Pourquoi? Pourquoi des labyrinthes? C'est pas drôle, les labyrinthes. C'est pas drôle. J'ai un zombie derrière moi. J'ai un zombie derrière moi, j'ai très peur. Ok. J'ai réussi à me toucher. T'es vraiment mauvais. T'es vraiment mauvais. Tu connais le jeu et t'es vraiment mauvais. C'est. Ok. Il y a des squelettes aussi. Il y a des squelettes. Aïe putain. Ok. C'est tout? La porte s'est ouverte? Ok. Est-ce qu'il y a des ténèbres? Qu'est-ce qu'on va. Oh! Qu'est-ce que c'est? La clé du boss. Magnifique. Magnifique. Je suis maléfique. Ah, je suis maléfique. Je sais, je sais. C'est terrible. Mes pulsions maléfiques. Oh, un rubis. Super. Je prends tout. Je suis un pilleur. Quand on y réfléchit bien, Link, il pille des temples quand même. C'est un putain de pilleur de tombes, tout simplement. Pilleur de temples, de richesses. Sans doute infime. Infini, pardon. Parce qu'infime, ça veut dire pas beaucoup. Ce serait totalement débile de dire ça. N'est-ce pas, public? Dites-le si c'est débile. Dites-le. Ok, bon, on va ouvrir cette porte. On va ouvrir cette porte. On va l'ouvrir. Vous inquiétez pas. On va l'ouvrir. Il n'y a pas d'escalier. Oh! Oh oh! Vous voulez me bloquer dans l'antichambre? Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Vous êtes que deux petites araignées. Totalement inoffensive. Magnifique salle du boss. Et oh mon dieu. Et oh mon dieu. Des chauves-souris de l'enfer. Oh, j'ai... Oh mon dieu. C'est comme ça qu'il faut les tuer? Allez, tue-les. Ah merde. Merde, merde. Non, non, non. Ok. J'adorais cette musique. C'est vraiment un super OST, la musique de Ocarina of Time. Mais je crois que celui-là en plus, c'est pas Ocarina of Time. Je crois que c'est pas Ocarina of Time, justement, cette musique. Je crois que c'est Wind Waker, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est Wind Waker, c'est une musique de boss de Wind Waker. En tout cas, c'est super que ça change un peu. Meurs sa vengeance! Félon. Ok. Ok, donc le sol s'effondre en même temps. Magnifique, on va tuer les araignées d'abord. Les araignées, c'est celles qui font le plus de dégâts. Et. Enfin, je sais pas quoi. Oh merde. Oh merde. Ça y est, je me fais harceler. Je me fais harceler. Hop, c'est parti. On va les buter.
acheter. Oh mon dieu, un ghast. Un ghast dans Zelda. Qu'allons-nous faire? Bon, on va utiliser notre arme tout simplement. Regrette, fais-le. Ok, où c'est? Putain. C'est vrai qu'on a l'arc, j'ai pas utilisé, je suis bête. Il y a un objet là, je vais le prendre avant de finir le truc, avant qu'il disparaisse. Je vais prendre le cœur et meurs. Super. Oh là là, faut faire attention que je tombe pas direct sur le téléporteur parce que... Et voilà, on a le pendentif rouge. On a le pendentif rouge, les amis. Et on va se quitter tout de suite parce que ça va faire une vidéo très longue. Donc je vous dis, portez-vous bien. C'était Mr. Moustache en direct de AdventureCraft The Legend of Zelda. On se voit quand on se voit. Salut.